Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce Rétrovision, il y aura Little Devil, Congo Bongo, Ganryu, Cube Quest, Eliminator, Nightmare Buster et Gunforce 1. Bienvenue sur Rétrovision. Merci d'être fidèle au poste pour ce dernier épisode de la sixième saison et comme le veut la tradition, c'est un spécial le meilleur de la saison précédente, c'est-à-dire la cinquième, avec aussi quelques inédits comme ce premier test, Little Devil, je ne suis pas sûr de la prononciation, sur Amiga CD32. Little Devil donc se présente sous la forme d'un jeu d'action-aventure développé et édité par Gremlins Graphics en 1993, puis en 1995 sur CDI. Vous dirigez Mutt, un démon rigolo élu par le Grand Conseil pour aller retrouver une pizza légendaire. Pour arriver à ses fins, Mutt va devoir traverser un total de 5 niveaux labyrinthiques parsemés de pièges farfelus. Ces séquences sont alternées avec des phases d'action où le petit diablotin doit soit résoudre des énigmes, soit combattre un redoutable adversaire en utilisant un objet précédemment récupéré dans les galeries souterraines. Les contrôles sont très classiques, nous avons 4 directions et 2 boutons servant à sauter dans les couloirs ou à des actions diverses lors de la traversée des tableaux. Il est bien important de surveiller la barre de vie, car si elle devient vide, ou si le joueur prend trop son temps pour finir un donjon, c'est directement un aller simple vers la salle des tortures et la partie se termine. Heureusement, il y a pas mal de bonus pour récupérer de l'énergie. Little Devil dispose d'une réalisation soignée avec de sublimes graphismes très cartoon et une animation plus que correcte. La partie sonore renforce cette atmosphère comique et décontractée avec des bruitages bien marrants et une bande-son guillerette à la Disney. Seulement voilà, les avis sont unanimes, ce titre souffre d'un défaut majeur, sa maniabilité. Les commandes ont un léger temps de latence et les sauts sont plutôt lents, sans doute à cause de l'animation très détaillée des sprites. Mais à part ça, on peut dire que ce titre est très divertissant, avec une petite touche humoristique bien dosée et une ambiance médiévale fantastique des plus réussies. Dommage que la maniabilité, malheureusement, soit aussi pesante. Ah, voici mon jeu coup de cœur de la semaine, Congo Bongo. Ce jeu d'arcade, sorti en 1983, est en quelque sorte la réponse de Sega au rouleau compresseur Donkey Kong de Nintendo. Le principe est d'atteindre la plateforme où se trouve le gorille tout en évitant les nombreux animaux sauvages qui se promènent le long des 4 niveaux représentés en 3D isométrique. La maniabilité est très honorable, mais la gestion des diagonales demande un petit temps d'adaptation, de plus qu'un compte à rebours est là pour mettre un peu plus de pression pour finir à temps. Une fois que les 4 niveaux sont complétés, la deuxième boucle commence avec une difficulté accrue. La PCB disposait aussi de sons digitalisés, ajoutant ainsi un peu plus de réalisme.
Encore une petite merveille signée Visco. Évidemment, ça tourne sur Neo Geo. Il s'agit de Ganryu, un jeu de plateforme action dans la lignée de Ninja Spirit. Avant de commencer la partie, deux choix de personnages s'offrent à vous, Suzume ou Musashi. Chacun ayant comme armement un katana pour le hack and slash et un grappin pour les déplacements entre les plateformes plus espacées. Les décors traversés représentent à merveille le Japon féodal. Le dépaysement est garanti, mais attention à ne pas se laisser distraire car les ennemis sont nombreux et réapparaissent sans cesse. Autre point de vue intéressant, celui de la progression non linéaire. Libre à vous de choisir l'embranchement de votre choix. Mais quel que soit le chemin, un boss vous attendra à la fin de celui-ci. Les boss de fin de niveau demandent une technique particulière pour en venir à bout. Et à chaque vie perdue, il faut recommencer le combat depuis le début. C'est ce qu'on appelle du die and retry. Pour ce qui est de la bande-son, pas de surprise, les effets sonores sont impeccables et les musiques folkloriques sino-japonaises sont de toute beauté. Genryu est quand même très technique, il nécessite une maniabilité précise et rapide. Il est tout de même regrettable de noter un léger temps de latence lors de l'utilisation des armes de jet, comme par exemple les shurikens. Il aurait été bon d'ajouter une option permettant de commuter entre l'arme primaire et secondaire. Pour un titre sorti en 1999, Genryu semble avoir une décennie de retard. Mais ne soyons pas trop difficiles. Parfois, il vaut mieux assurer avec du classique plutôt que de se planter en voulant faire trop sophistiqué, surtout en arcade. Quest est un jeu d'arcade développé par Simtrek en 1983. Ce shoot 'em up était très impressionnant à l'époque puisqu'il combinait des graphismes en polygone 3D et des arrière-plans sous forme de cinématiques enregistrées sur support laserdisc. Dans cette chasse au trésor futuriste et très vintage, votre objectif est de traverser les nombreux corridors à l'intérieur d'un réseau en forme de cube. La partie commence avec une représentation en fil de fer, un peu comme un radar, où il faut choisir parmi l'un des 54 chemins menant au trésor. Dès que vous aurez sélectionné un chemin, vous serez plongé dans un corridor au décor étrange et psychédélique, où de nombreux vaisseaux ennemis essaieront de vous détruire à grands coups de rayons laser. Le vaisseau se déplace à la manière d'un tube shooter, c'est-à-dire de gauche à droite en pivotant sur les côtés à chaque extrémité. Il est aussi muni d'un tir à canon double. Dès que vous aurez atteint votre but, vous serez récompensé par le trésor de Mita et ainsi, vous deviendrez un des grands maîtres de la quête cubique. We'll be right back.
Encore un test inédit, jamais diffusé, voici Eliminator, sorti en 88 sur Atari ST. Ce jeu vidéo très old school se représente sous la forme d'un shoot'em up, mais plus précisément d'un tube shooter de par sa représentation et sa perspective en fausse 3D. Les connaisseurs auront peut-être reconnu la palette graphique de Ibsen, éditeur anglais qui nous a réalisé quelques bons titres comme Synapse et Exolon. Mais ce qui frappe le plus, ce sont les bruitages utilisés puisqu'on retrouve exactement les mêmes dans Nibulus, aussi connu sous le nom de Tower Toppler. Le gameplay est tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est la possibilité de se retrouver sur le haut de la plateforme par l'intermédiaire d'une sorte de tremplin. Deux barres verticales situées dans le HUD sont disposées de chaque côté de l'écran. Celle de gauche indique les armes récupérées durant le parcours. Celles-ci sont sélectionnables en tout temps. Et à droite, nous avons la barre d'énergie et de carburant, sans oublier les vies restantes et les points. Eliminator était tout de même un bon petit soft qui porte malgré tout le poids des années, mais pour un titre sorti en 1988, les possesseurs de ST avaient là un titre sympathique, bien programmé et impressionnant de par sa fluidité. Par contre, la difficulté est au rendez-vous et il faudra recommencer plusieurs fois pour bien maîtriser le vaisseau et de repérer les nombreux obstacles éparpillés tout au long du circuit. La grande majorité des jeux présentés sur Retrovision ont toujours été commercialisés à un moment ou un autre. Mais certains d'entre eux n'ont pas eu cette chance. C'était le cas pour Nightmare Busters, qui aurait dû sortir en 1995 au grand désarroi de tous les possesseurs de la Super Nintendo. On vous propose d'incarner l'un des deux léprechauds, Floyd ou Flynn, qui ont pour objectif d'anéantir la créature qui cause d'affreux cauchemars aux pauvres petits enfants. Un petit peu comme dans Weird Dreams sur Amiga. Le nom de ces petites créatures, issues du folklore irlandais, se prononce approximativement les Leprechaun en gaélique. Dès les premières secondes de la partie, on se sent tout de suite attiré par ce run and gun à l'action frénétique. La maniabilité est excellente, les graphismes, malgré leur côté un peu lugubre, sont de toute beauté, même si aucun effet propre à la Super NES n'y est exploité. Les musiques, quant à elles, même si elles ne resteront pas des classiques, sont particulièrement envoûtantes et vous plongent encore plus dans cet univers fantastique. Nightmare Busters a la réputation d'avoir une difficulté excessive, mais heureusement, le système d'armement est plutôt efficace, puisque chaque léprechaud dispose d'une attaque primaire, améliorable, un dash offensif et des super attaques commutables selon vos besoins. Lorsque l'on parle de l'éditeur japonais IREM, on pense tout de suite à R-Type ou à Kung Fu Master.
Il existe pourtant un titre qui vaut vraiment le détour. Voici l'ancêtre des Metal Slug, le cousin germain de Contra, le magnifique Gunforce, sorti sur Arcade en 1991. À tout seigneur, tout honneur. Ce Run and Gun vous propose de contrôler deux braves soldats parachutés sur une île tropicale afin de démanteler un groupe paramilitaire sous l'autorité d'une forme de vie extraterrestre. Ce pur Run and Gun est divisé en 6 niveaux selon un défilement en vue de profil. Il est possible de tirer dans les 8 directions tout en sautant et en courant. En dégommant certains ennemis, il est possible de récupérer leur arsenal, comme des lance-flammes ou des bazookas aux munitions limitées. Mais ce qui le différencie vraiment, c'est incontestablement l'opportunité de prendre le contrôle de nombreux véhicules lourdement armés. On retrouvera ce procédé par la suite dans la fameuse série des Metal Slug. Et ce n'est pas un hasard, puisque l'équipe qui est à l'origine de Gunforce est celle qui fondera Nazca quelques années plus tard. D'ailleurs, la patte graphique de Metal Slug est déjà facilement reconnaissable. Le seul petit défaut serait une sensation d'apesanteur lors des déplacements des deux soldats, mais rien de bien méchant. D'autant plus que tout ceci sera corrigé 3 ans plus tard avec la suite Gunforce 2 qui est une référence absolue. Même si ce premier opus n'a pas connu un succès phénoménal, il eut le droit à une conversion sur Super Nintendo en 1992. On arrive tranquillement vers la fin de ce dernier épisode de la saison 6, alors il y aura bien une 7ème saison à rentrer avec une formule totalement modifiée. D'ici là, passez de bonnes vacances et restez bien branchés sur Rétrovision.